Bonjour, dans cette vidéo, nous allons dessiner ensemble un cylindre en perspective. Ce cylindre est posé sur l'une de ses bases. Les deux bases du cylindre sont des disques. Puisque le cylindre est posé sur l'une des bases, je ne vois pas la base de face. Elle est donc déformée. À la place de dessiner un cercle, je vais donc devoir dessiner une ellipse. Une ellipse, tu ne peux pas la dessiner à l'aide du compas, tu vas la dessiner à main levée. Pour t'aider, tu peux utiliser ces quatre points. J'ai commencé par placer ces deux points ici. Puis sur la médiatrice du segment, je place deux points qui sont à la même distance du segment. Je vais maintenant tracer une forme arrondie passant par ces quatre points. Avec un logiciel, c'est tout de suite plus facile. Maintenant que j'ai tracé le disque sur lequel est posé mon cylindre, je vais tracer deux génératrices qui sont parallèles et de même longueur. Là, tu définis toi-même la hauteur du cylindre. Il me reste à tracer la face supérieure. Sur le même principe que tout à l'heure, je vais tracer une ellipse. Il reste un détail à corriger maintenant. Je sais que cette partie-là du cercle n'est pas visible. Je vais donc la représenter en pointillé. Cette vidéo est maintenant terminée. À bientôt !